Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, toujours dans les programmes prise de masse, je te présente mon programme Upper, mon half body haut du corps. Ça, c'est des bonnes séances. Ça, c'est des séances où tu vas à la salle, tu sais que tu vas faire que des trucs que t'aimes. En fait, quand tu sais que tu fais pas les jambes, bah t'es content, d'accord? Mais quand j'ai fait ce programme-là, eh ben, j'aurai une autre séance dans la semaine où ça sera les jambes. Ça, c'est des jours où je sais que je pourrais m'entraîner deux fois dans la semaine. Sachant que les jours où je peux m'entraîner deux fois, et ben le premier jour que je fais, c'est les jambes, d'accord? Je ferai les jambes comme ça, je sais automatiquement que je pourrais faire mon programme haut du corps et être tranquille par rapport à ça. Avant de commencer le programme, je vais te dire de t'abonner à la chaîne, c'est pas fait, bien évidemment. Comme je te le dis souvent et je pense que je te saoule avec ça, mais je vais le faire parce que c'est important. On est plus de personnes à regarder la chaîne de Dame Jordan sans être abonné, d'accord? Que des gens qui sont abonnés, donc abonne-toi, donne de la force, c'est important. Et ça m'aide à continuer de te faire des contenus de qualité. Nous commençons notre programme upper avec du développé couché aux haltères, d'accord? On va chercher entre 8 et 12 répétitions, on va se faire mal, ok? On va se faire très mal. En revanche, là, je vais plutôt essayer de chercher les 12 reps. Parce que comme je fais pas plusieurs exercices spec, je me concentre sur un exercice. Donc voilà, en fait, c'est soit je suis très en forme et là, je vais mettre du très lourd et faire 8 reps. Mais je sais que si je fais que 2 séances par semaine, c'est que vraiment, cette semaine-là, elle est chargée. Je dois avoir des tournages par-ci, par-là, très peu de repos. Donc, je pense que je vais chercher les 12 répétitions histoire d'être bien. C'est comme si que ce sera une petite séance rappel pour moi. Au niveau des séries, on sera sur du 4, 5 séries. Plus du 4 que du 5 en général. Quand je fais ces programmes-ci, c'est que vraiment je suis fatigué. Donc 4 séries, repos, 1 minute 30 ou 2 minutes de repos. Deuxième exercice, rowing machine, d'accord? Comme je te l'ai dit, le rowing machine, c'est une très très bonne machine. Ça me permet de bosser mon dos en unilatéral, de me faire mal, de bien le détruire. Et après, à la fin, hop, prise large et je me mets bien, ok? J'aime bien faire cette machine en 8, 8, 12 répétitions ou alors 10, 10, 10 répétitions. Peu importe, ça dépend de toi, de comment tu te sens, de comment tu as envie de le faire et de comment tu as envie de te faire mal. Comme j'ai dit dans ma séance pull, eh ben, j'aime bien me mettre debout cette machine-là. J'aime pas m'asseoir sur le petit siège-là. Je me mets debout, j'ai beaucoup plus de stabilité et j'ai l'impression que je vais me soulever beaucoup plus lourd et je suis mieux calé, tu vois. Sachant que là, je suis en pleine construction du dos, donc je me mets bien. Ok, donc hop, deux fois, prise serrée, une latérale, prise large à la fin quand tu te finis. Et là, tu progresses bien. Ensuite, je vais choper ma barre Z et je vais faire 4 ou 5 séries de 8 ou 12 répétitions de curl biceps barre Z qui est mon meilleur exo pour les bras. Ça, c'est l'exo. Tu peux être sûr que s'il y a un exo biceps dans un programme, un seul, c'est celui-là que je prends en priorité. D'accord? Je peux en prendre d'autres comme le curl marteau qui bosse aussi les avant-bras. Mais curl biceps barre Z, je suis obligé de le prendre. Je suis obligé, c'est mon meilleur exercice biceps. Donc, je le prends. On va chercher 12 répétitions. Être tranquille, pas faire du très très lourd. Comme je t'ai dit, si je fais ce programme là, c'est vraiment je suis fatigué, d'accord? Comme ça, je suis bien. Repos, 1 minute 30 ou 2 minutes. Ensuite, je garde ma barre Z pour l'optimisation de mon programme et je fais du développé militaire avec cette barre. Je vais chercher entre 8 et 12 répétitions. Tout dépend comment je me sens. Je mets une charge lourde histoire d'être tranquille et bien bousiller mes épaules et on est bien, d'accord? Comme je te dis, développé militaire avec la barre, c'est un bon exercice. Je ressens bien mes épaules avec. Tu peux le faire aux haltères. Si tu sens qu'aux haltères, c'est beaucoup mieux pour toi. Je ne t'oblige pas à faire comme moi, mais moi, j'aime bien et moi, je prendrai la barre, bien évidemment. Toujours en gardant ma barre Z, eh ben, je vais faire de la barre au front tranquillement sur un banc. Histoire d'être bien, histoire de finir mes triceps. Comme ça, je suis tranquille, ok? J'ai bien arraché mes pecs. J'ai bien arraché mon dos, j'ai bien arraché mes biceps, mes épaules et là, je fais mes triceps. Comme ça, je suis tranquille, ok? Je vais chercher 4 ou 5 séries entre 8 et 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos pour bien clôturer ce programme. Après ça, je pourrais faire mon post-biceps, triceps,
devant le miroir et être tranquille parce que ma séance est terminée. Tu vois, ces programmes-ci, c'est vraiment les programmes où tu sens que ta semaine, elle est compliquée. Tu sens que ta semaine, elle est dure, mais il faut aller à la salle. Il faut se faire mal. Donc voilà, tu as plusieurs exercices. Tu as un exercice, tu as un muscle qui travaille à chaque fois. Pour moi, ce n'est pas les meilleurs programmes pour prendre de la masse. D'accord ? Ça veut dire que ça, c'est vraiment occasionnel. Si tu veux vraiment prendre de la masse, si tu veux vraiment changer physiquement, si tu veux vraiment te faire mal et avancer plus vite dans tes objectifs, il vaut mieux partir sur le split comme mon premier programme. Mais ça, c'est quand tu n'as pas le choix. Et la vie, elle est faite d'imprévus. Parfois, tu auras le temps. Parfois, tu n'auras pas le temps. Parfois, tu seras fatigué. Parfois, tu auras plus de temps à consacrer à tes séances. Parfois, tu auras du travail. Donc, voilà. Je sais qu'il y aura du travail. Je sais que je serai obligé de passer par un programme comme ça. Donc, ces programmes-ci sont faits pour ça. Sont faits pour quand même avancer un tout petit peu. Sont faits pour faire deux pas vers la suite des objectifs, d'accord ? Avec des splits, tu peux courir. Avec des PPL, tu peux courir vers ton objectif. Avec ça, tu marches vers ton objectif. Mais au moins, tu avances. Donc voilà pour ce programme Upper Half Body. J'espère que tu as kiffé ce programme. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un petit j'aime, un commentaire. C'est important, d'accord ? Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et bien évidemment, n'oublie pas sur MyProtein, tu as mon code DAMS. Si tu fais ta commande, d'être bien et tout, et me faire plaisir aussi. En tout cas, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.